Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à la repentance afin que nous ne périssons pas au cours des trois nuits de tribulation. Bonjour chers internautes, merci d'être toujours présents à ce rendez-vous hebdomadaire. La messe de ce jour sera célébrée par Monseigneur Jean-Pierre Rondagnon, qui est le recteur du grand séminaire de la 13e Église de Jésus-Christ, mission de Gbanamé. Elle sera également célébrée par le révérend père Yacinthe Noami, curé de la paroisse Notre-Dame des Combats de Fillon, et Léon Coulomé, curé de la paroisse Sainte-Parfaite et Agnès d'Agomé. Oui, adorons Dieu dans sa sainte demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à son peuple. C'est l'antienne d'ouverture de ce 17e dimanche du temps ordinaire. N'oublions pas que cette messe sera également animée par la chorale française du diocèse de Porto Novo. Bonne prière à chacun et à tous. Au nom de Dagbo, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La paix soit avec vous. Et avec vos anciens. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Le Christ, notre Sauveur, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dagbo, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et devant son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, je reconnais devant toute la cour céleste et devant vous, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je le confesse, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis prié la Vierge Marie, toute la cour céleste, et vous aussi, mes frères, d'intercéder pour moi, auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi auprès de Dagbo, Dieu notre Père. Amen. Dagbo, Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde, daigne-nous pardonner nos péchés, ceux de nos aïeux, ceux de nos progénitures, et conduis-nous à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu protèges, Dago notre Dieu, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les versets 5, 7 à 12. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, Dago, Dieu éternel et tout-puissant, lui apparut en songe. Dago lui dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, ainsi donc, Dago, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait voir, moi ton serviteur à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut à Dago qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Parole de Dago, Dieu Tout-Puissant. Thank you.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Dagobies. Chapitre 8, les versets 28 à 30. Frères Dagobies, nous le savons, quand les hommes aiment Dago, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères que nous sommes. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. C'est son petit reste d'Israël, choisi selon son cœur. Parole de Dago, Dieu Tout-Puissant. Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Dagobie. Chapitre 2, 13, 44 à 52. En ce temps-là, notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, frère jumeau du pape Christophe XVIII, disait aux foules : Le royaume des cieux, la vie éternelle, est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume de Dagbo est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Oui. Tous ceux qui abandonneront, qui se débarrasseront de leurs biens matériels pour s'acquérir les biens éternels, c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux.
Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Oui, pendant les 3 jours de tribulation, moi, fils de Dagbo, premier d'Agbovie, je descendrai parmi vous avec les anges pour séparer les méchants du milieu des justes et pour séparer les sorciers du milieu des Dagbovie, les jetterai dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela, cher Dagbovie? C'est pourquoi tout Dagbovie, vrai disciple, vrai fils d'Israël, choisi par Dagbo pour le royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs d'Agbovie, petit reste d'Israël, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous dominical où Dagbo lui-même nous invite au partage du pain et de la parole sainte. Je voudrais vous dire que nous les hommes, nous avons l'habitude de penser que c'est le pain qui rassasie. Mais en réalité, la parole de Dieu, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nourrit nos âmes. La parole de Dieu, nous en avons besoin. Et dans la première lecture que nous avons entendue, le décor est planté. C'est Dagbo lui-même qui prend les devants et qui dit à Salomon le roi, le fils de David, « Demande-moi ce que tu veux, que je te le donne. » La réaction de Salomon, tout le monde la connaît. Salomon dit « Je suis un roi tout jeune, inexpérimenté. » Dagbo, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour gouverner ton peuple. Ben, il pouvait demander beaucoup d'or, beaucoup d'argent, du bétail. Il pouvait demander que Dagbo lui donne de soumettre les nations, d'être tout puissant. Et Dagbo allait lui donner cela. Mais vous voyez, le roi Salomon a montré que il a un cœur détaché. Un cœur détaché des biens de ce monde. Mais Dagbo l'a comblé. On a dit dans la lecture, cela plut à Dagbo. Dagbo a aimé ça. Et il lui a dit, ah mais non, je ne vais pas seulement te donner l'intelligence, la sagesse. Je vais aussi te donner ce que les hommes considèrent être la richesse
en ce monde. Et Salomon a été très riche, en plus de sa sagesse. Vous voyez, c'est un signe pour nous d'Abovie aujourd'hui. Et nous pouvons dire que, au-delà du bien matériel, ce qui compte, c'est les richesses spirituelles. Et c'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture aussi. On nous dit dans la deuxième lecture que d'abord fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. En d'autres termes, c'est l'amour d'abord. L'amour et la foi qui sont des valeurs spirituelles. Comme l'Évangile aussi nous le rappelle, on dit que le royaume des cieux, on peut le comparer à un homme qui a découvert un trésor dans un champ et il a tout vendu pour acheter ce champ-là. Il ne lui restait plus rien. Ou bien un négociant qui va retrouver des perles précieuses et il vend tout pour l'acquérir. Chers amis, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et chacun va devoir se prononcer, va devoir choisir. La foi en Dabo, c'est ce qu'il y a de précieux pour nous. Parce que là se joue tout notre salut. Et on peut tout vendre, chers amis, pour garder cette foi-là. C'est une manière de parler. Tout vendre, c'est-à-dire tout sacrifier. Au-delà des injures, au-delà du mépris des autres qui nous considèrent comme des gens perdus. Mais chers amis, après, on va faire le bilan. Il y a un bilan à faire. Et ce bilan-là, nous en serons vainqueurs. Et Dago nous a toujours dit, vous ne vous êtes pas trompés. Chers amis, vous ne vous êtes pas trompés. Mais ce détachement et cette foi supposent une écoute et un comportement que Dago aime bien, à savoir que nous sommes disposés à lui obéir. Vous voyez, le détachement dont on parle, c'est d'abord à l'intérieur. L'amour dont on parle, c'est d'abord à l'intérieur de nous. Et la foi, c'est d'abord à l'intérieur de nous. Ces trois valeurs spirituelles, ces trois qualités-là. Chers amis, d'abord seul peut les donner. Et maintenant que nous attendons un signe de Dabo, maintenant que nous savons que Dabo est le Dieu Tout-Puissant qui peut changer nos conditions, nous espérons, mais il ne faut pas que l'espérance comblée se transforme après, chers amis, en autre chose. Parce que la richesse est tentante. Elle tente. Et en son temps, il ne faut pas choisir l'argent, la maison, la voiture, le bien matériel au détriment de celui-là qui vous a donné tout ça. Et c'est tant mieux qu'on attire déjà notre attention là-dessus aujourd'hui. Puisque ce qui va se passer, après, Dago seul le sait. La richesse, c'est bien, mais quand elle ne nous conduit pas à Dieu, si elle nous conditionne tellement que Dieu lui-même, on n'a plus du temps pour lui. On va vous dire, venez aux enseignements, ben, on ne trouvera personne. Parce que comme on le dit dans nos langues, nous n'a d'odjirmi.
Chers amis, il faut résoudre définitivement ce problème dès maintenant. Face à face avec Dagbo pour lui promettre, pour lui dire, Dagbo, tu es mon tout. C'est toi la richesse. Quand tu me donnes de l'argent, quand tu me donnes un bien matériel, c'est pour que je puisse mieux t'adorer. Et non pas pour que ces richesses-là m'éloignent de toi. Parce que là, on aura tout perdu. Puisque cette foi, ce détachement, cet amour de Dagbo exprime notre salut. La manière dont nous aimons notre Dieu, la manière dont nous attachons à lui, la manière dont nous croyons en lui, chers amis, notre salut ce jour-là. Et donc, nous n'avons pas de choix que d'aimer, que de nous détacher, que de croire. Parce que, comme Fofo l'a dit par ailleurs, à quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il en vient à perdre son âme? Mais tout l'argent du monde, tout l'or du monde, le diamant et le reste, que vous savez, chers amis, à quoi sert-il à l'homme de gagner cela quand il doit s'éloigner définitivement de Dieu? Ben, c'est une question que chacun doit aussi se poser. Et Dagbo seul peut donner la grâce de ce détachement, de cet amour et de la foi en lui. Et c'est ce que nous allons lui demander ce matin. Qu'il nous donne la lumière et la clairvoyance pour choisir afin de lui rester fidèle. Amen. Je crois en Dagbo, Dieu le Père Tout-Puissant. Et sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort
Le royaume de Dagbo est présent autour de nous, au cœur de notre vie, mais nous avons du mal à le reconnaître. Toute notre planète est pourtant déjà porteuse d'une vie nouvelle. Soutenons par notre prière nos frères et sœurs du monde entier, appelés comme nous à la joie de la vie de Dagbo. Dagbo, Dieu notre Père, tu nous accueilles, nous pardonnes et nous donnes la vie en abondance. Entends la prière que ton Église t'adresse avec foi. Dans ta justice, exauce-nous pour que ton règne vienne sur l'humanité. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte d'abord, notre Dieu, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Préparons notre cœur. Notre cœur appartient au Seigneur. Rendons grâce à Dagbo, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Père très saint Dagbo, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Foufou Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur Sauveur, Dieu fait homme conçu de toi-même, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où notre Seigneur et Sauveur Foufou Jésus-Christ a quitté le royaume des morts en tant que vrai Dieu. Nous te prions Dagbo, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ta grâce, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment
d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Et les yeux levés vers Dago, son père et notre père, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et les yeux levés au ciel à nouveau. En te rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des Dagobies qui seront choisis en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons d'abord le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par toi-même d'abord en un seul corps. Souviens-toi d'abord, notre Dieu, de ta très sainte Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec ton vicaire et frère jumeau de Fofo Jésus, le pape Christophe XVIII, ses collaborateurs directs, les cardinaux, les évêques, représentants de ton vicaire dans les diocèses au nom. En particulier, tes serviteurs, nos archevêques, Éminence Luc Junior, Cardinal Vicieno et Monseigneur Damien Guédégbé, et leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Dagbo, Dieu de bonté et de miséricorde. Sur nous tous, Dagbo, ici présents et d'ailleurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dagbo, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, à qui reviennent tout honneur et toute gloire pour les siècles sans fin. Amen. Comme nous l'avons appris de Fofo et de Dagbo lui-même, nous pouvons dire notre Père qui es aux cieux sur terre à grand main avec nous. Que ton nom soit sanctifié comme de tous les origines. Que tu sois notre roi, comme tu es celui des saints du paradis. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et de grâce en nous, des grâces auxquelles tu vois tout ce dont tu nous as déjà promis. Donne à nos frères le pain quotidien comme tu nous en donnes. Pardonne-leur comme tu nous pardonnes. Bénis-les de tout mal comme tu nous bénis. Épargne-les de toute tentation comme tu nous en épargnes. Et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Délivre-nous de tout mal, Dagbo, notre Dieu. Amen. Délivre les Dagbovis ici présents et d'ailleurs des ennemis visibles et invisibles. Amen. Délivre-les de toutes sortes de maladies, même incurables, des envoûtements, des mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pièges de Satan et de ses suppôts. Fais-nous la grâce de la santé de l'âme et du corps et donne la paix à notre temps. Donne la paix aux Dagbovis. Donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes leurs activités qui t'honorent. Bénis leur famille. Accorde du travail aux chômeurs et la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine miséricorde, libère-nous de l'aveuglement du péché. Libère-nous de l'endurcissement du cœur et rassure-nous devant nos ennemis, nos persécuteurs en cette vie où nous avons foi en ta puissance et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Gloire, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles sans fin. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres ceux d'hier et d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, ne regarde pas nos transgressions de ta loi, ne regarde pas nos manques d'amour, nos manques de miséricorde et nos manques d'humilité. Mais regarde plutôt la foi et l'attachement de ta très sainte Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles sans fin. Amen. Que la paix de Dagbo, notre Dieu, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Dans la charité, l'amour du Christ, donnons-nous un signe de paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dago, le Christ sauveur qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ton fils, mais dis-moi une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et nous guérissent pour la vie éternelle. Encore le Seigneur. Dago, notre Dieu, nous avons communié à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh.
Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Et que Dagbo, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Amen.